de la testostérone et de tout ce qu'on aime. Un match d'homme. Homme à homme. Malheureusement pas au point à point, il y en a un, il doit utiliser une épée. Aussi grande que Falcon, mais ça ira. C'est un principe de base, personne n'a... Personne n'a une épée aussi grande que Cloud dans ce jeu. Kirby a une épée plus grande que Cloud. Non, même pas. Sur son Final Smash, si. Bon. Après, on... Est-ce réellement méta? On va pas juger sur la taille des épées de tout le monde, ce serait... Ouah, Mutu Jeda. C'est winner rank 3. Ou rank 4. En gros, c'est Qualifier top 8 là. Ah, nice. C'est chaud. Et du coup, on a Saïf, on a Meru et les gens ils vont voir Gluto. Vous le voyez tout le temps, Gluto. Ouais. Je sais. Regardez les DEP, c'est. Allez, sur Smash 2. Du coup, là, on enchaîne des EPR du côté de. Oh, pour cover, je sais pas si c'était. Bah là, en fait, il s'est pris. Dès début de game, il s'est pris 4-5 EPR. Le but de swapper. Ah, il s'est escape, il a profité des frames impossibles de Joy Bidder. Ah, et oh, il est carrément en position. Là, c'est sûr que Ike, il peut pas laisser son jeu. OG, vraiment, il le rush à mort. C'est lent. Oh, le weak encore. Mais par contre, on voit qu'il déhie bien quand même pour pas se prendre les upper cancel. C'est vrai, mais ça met tellement de pression à Falcon contre un perso qui est lent. Il a besoin d'un espace pour pouvoir. Surtout, il a besoin d'un truc pour reset neutral en fait. Il a besoin d'un truc qui est cher. Voilà, parce que OG et Falcon lui mettent trop de pression. Et voilà, là, tu vois, il a juste sauté. Il a sauté, il s'est devenu instantanément. Ouais, c'est ça, c'est vraiment depuis un short. La puissance de Falcon est vraiment à rester vraiment toujours à côté de toi et te mettre une pression de fou. Et OG vraiment l'utilise vraiment bien. Et là, ça se voit. Là, vraiment, impossible. Alors, OG commence un peu, même si là, ça reste la bonne pression mise par OG. Alors après, le fait est qu'il y a un truc qui est toujours un acquis avec Ike, qui est que s'il touche, l'autre personnage implose. Ah oui, là par contre, il va essayer de trouver peut-être un back air. C'est un des meilleurs coups de Ceci Ike. Étant, c'est Falcon, donc ça va mourir plus tard que la moyenne des personnages. C'est la beauté du jeu. Et là, le back air est trouvé. Et là, par contre, le back air en premier, ça tue. Et ça que 53%, rien n'est joué encore dans ce match. Et là vraiment on a vu que Ryuji a commencé à poser son match. Et il y a des bails qui sont posés. Okay. Il y a des trucs qui sont posés là. Nous avons perdu Chris. Nous avons perdu Chris actuellement sur... Ouais, le backer de Ike vraiment c'est meilleur coup, un coup vraiment divin. C'est son coup limite le plus rapide, je crois. Le jab, mais c'est surtout que ça a pas mal de base knockback. Sous le jab de Ike, il y a le double jab sous tout. Ça finit en combo movie, ces choses-là. Si Didier était bon, effectivement. Ah, me dites pas ça, ça me fait mal. Si Didier était bon. On est winner round 4, là. C'est pas si on a encore perdu Chris. Il y a trop de bail. Mais t'as vu ce qui passe à toi. Mais oui, c'est tranquille. Ouais. Ah bah, ok, on s'y remet. Donc on est reparti en même map encore, hein. Ça repique la même. Ryuji qui avait l'air d'avoir trouvé une bonne. Qui avait l'air d'avoir trouvé des trucs. Des bons attaques neutrales dans la suite du match. Mais bon, après, les confirmonies, surtout sur un perso qui est assez gros comme. Voilà, la hitbox de Red, c'est pas mal, c'est un petit peu petit. Attention quand même de se pas faire arnaque. Faut de pas se faire arnaque quand même, hein, sur un B. Il a déjà une full in, je crois, en fait. Ouais, c'est un. S'il a par contre la CA pour. C'est même pas qu'il a pas d'IA, c'est qu'il a déjà une full in. Pour. Non, vraiment. Ouais, parce que je s'attendais à une DI out. Bah, y'a beaucoup qui après la dernière dans le 3, il veut vraiment DI à fond du pouvoir possible. Du coup, bah, OG s'y attend. Pour le mis en cover, il est pas arch tout safe. Oh, par contre, ça, vraiment, qu'est-ce que c'est bien OG un tempo. Qu'est-ce que c'est bien un delay comme recovery pour éviter ça. Parce que c'est facile à tout prime un Falcon. Vraiment.
Ah, il attendait d'aller le. Non, ça tu peux pas. C'est les projectiles. Par contre, les projectiles c'est gratuit pour aller Counter Hike, mais alors ça. Il n'y a pas de projectile là, Hike il est tranquille en trop recours. Alors tranquille, toujours pas, mais parce que de toute façon c'est Hike donc c'est toujours. Ouais. Au moment où tu prends toujours un pinch, tu vas essayer. Hein. Par exemple, si t'es en dessous, si le Falcon est au-dessus au moment du délire avec le bouton pinch, ouais, et là il arrive l'air dodge, jump up air, ça pardonne pas. Ça pardonne pas par ce backer. Ça punit, hein, et ça remet les stocks à niveau. Mais par contre, pas les pourcents, même si non. Qu'est-ce qu'elle fait peur, ça dans 3 AOG. Tout le temps là, après le nerf qui vient tout le temps connecté. Ça essaye de côté, même si là, on voit comme AOG qui peut quand même pas mal le. Oh, par le Little G, ça tue. Ce perso. Il y a le grand débat sur le Discord français de savoir si Wario est hype ou pas non. Ouais, il y a aussi des choses comme quoi dans les casters.